m'appelle Mathieu Fortin et j'ai écrit un problème de taille dans la collection Bonsaï chez Foulire. C'est l'histoire d'un petit garçon, petit, donc au secondaire, trop petit, et qui est prêt à accepter n'importe quoi pour grandir, même un bracelet supposément magique donné par un monsieur un peu louche. Donc ça commence un peu dans, c'est dans cette idée-là que le roman se déroule. Et je vais vous lire le début. Tous les jours, c'est la même histoire. Romain a l'impression d'être prisonnier d'une boucle infernale. Il soupire. Un nouveau jour d'école, un nouveau jour où il se retrouve enfermé dans un casier par Simon Côté et son groupe de tortionnaires boutonneux. Romain donne quelques coups du bout de son soulier en espérant attirer l'attention du concierge qui l'entend arriver d'un pas lourd. Quelques grincements de pince à métal plus tard, Romain a enfin accès à la lumière du jour. Romain aimerait répliquer qu'il est en secondaire 3, mais à quoi bon, ça ne servirait à rien. Il sait qu'il a un problème de taille depuis qu'il est né. Il a bien essayé de grandir, mais rien n'a fonctionné. Se suspendre par les pieds à une branche d'arbre, s'étirer le plus possible, se masser les tibias avec la poudre que sa mère utilise pour faire pousser les plantes, manger les croûtes de toutes les tranches de pain de la maison, sans succès. Voilà. Bonne lecture.